Le PSG cherche à recruter un nouvel attaquant pour accompagner Kylian Mbappé la saison prochaine. Luis Campos a déjà commencé à travailler sur cette mission en inscrivant les noms de Victor Osimhen, Harry Kane et Ronald Colomuani sur sa liste. Cependant, il pourrait également saisir une opportunité en recrutant une star déjà proposée sur le marché des transferts. Toutefois, il pourrait saisir l'occasion de recruter une star déjà proposée sur le marché. Selon les informations d'Oké Diario, Sadio Mané serait disponible sur le marché des transferts et ses agents auraient commencé à contacter quelques clubs pour lui trouver une porte de sortie cet été. Le FC Barcelone aurait été contacté, mais pas seulement. En effet, le média espagnol affirme que les représentants de Sadio Mané auraient également proposé le joueur au PSG. Ils auraient également approché certains clubs de Première Ligue, mais Sadio Mané ne fermerait pas la porte à un retour en Angleterre. Affaire à suivre. Le défenseur néerlandais Virgil van Dijk a affirmé que Mané avait été un grand joueur pour Liverpool, mais que le club ne voulait pas le laisser partir. Cependant, cette séparation est maintenant digérée. Évidemment, Sadio Mané était un grand joueur pour nous mais il voulait partir. Nous ne voulions pas le laisser partir. Nous avons des joueurs qui sont arrivés, Luis Diaz, exceptionnel, Darwin Núñez commence à savoir comment on défend ici, a lâché le défenseur central néerlandais sur Sky Sport. Ces commentaires ont été largement interprétés comme une allusion au fait que Liverpool a réussi à combler le vide laissé par le départ de Mané. Trois nouveaux joueurs, Luis Diaz, Gakpo et Darwin Núñez, ont été recrutés pour renforcer l'attaque de Liverpool ces derniers mois. Ce qui va donc compliquer un éventuel retour de Mané chez les Reds. Le départ de Mané semble avoir été une période difficile pour les deux parties. Liverpool a dû se passer d'un joueur clé de son effectif, tandis que Mané n'a peut-être pas encore atteint le succès qu'il espère au Bayern Munich. Seul l'avenir nous dira si le joueur sénégalais pourra se relancer ailleurs ou s'il retrouvera sa forme avec les Bavarois.